Vu que je viens d'internet et qu'il y a pas mal d'auteurs de BD à l'époque qui me disaient que j'étais pas un vrai auteur de BD, que je m'étais fait mon public grâce au web, etc. Je me suis dit, si j'accepte de faire ce boulot d'éditeur, je pense qu'il y a des gens qui vont pas être contents. Mais moi vraiment j'ai fait une école de dessin, hein. Et on m'a dit que je dessinais trop mal. Donc du coup j'ai fait de la vidéo parce que j'ai vu que ça fonctionnait. Après on est venu me chercher parce que j'ai une communauté. Moi je vais pas cracher, c'est que je voulais faire de la BD. Aujourd'hui quand même il y a une de mes BD qui est devenue un dessin animé. Donc je me dis que je me suis pas trop planté de carrière. Du coup, je me dis qu'il y a plein d'autres gens comme moi. Et si on nous empêche de nous exprimer autrement, on fait quoi? On ferme notre gueule, on reste dans notre coin et on fait ce pour quoi on est fait. C'est-à-dire faire rire, faire de la musique. Enfin, c'est hyper cool. Rentrer, donc c'est vrai que ça peut foutre les boules de se dire putain merde, elle y arrive hyper facilement. Après il y a du travail derrière et à partir du moment où il y a du travail, chacun a sa chance. Et métisser entre la bande dessinée ou la musique ou le jeu vidéo ou le cinéma, la comédie, YouTube, tout ça, il y a plein de trucs à faire en fait. Le truc c'est pas forcément que de la BD, c'est exactement ce que tu as dit, il faut mélanger en fait. Moi je trouve que c'est ça, je pense que l'avenir c'est des gens qui mélangent. Faire de la bande dessinée, c'est quoi avant tout? C'est raconter une histoire. Et ce qui est le plus important dans une bande dessinée, c'est pas forcément d'avoir un beau dessin. Le but, c'est de transmettre une émotion, de transmettre une histoire. Ce qui compte, c'est que ça fasse plaisir, en fait, ouais, c'est tout simplement. Ça. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos! Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.